On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ce lundi 21 octobre 2024, Christine Kelly et ses mousquetaires étaient de retour en direct sur CNews avec un nouveau numéro de Face à l'info. Une émission qui a ouvert sur des images de l'animatrice en train de lire le dernier livre de Philippe de Villiers, à la tête de Face à Philippe de Villiers chaque vendredi à 19h sur la chaîne d'information en continu du groupe Canal+. À lire absolument, insiste Christine Kelly. Cette dernière lance ensuite un tour de table pour savoir si ses chroniqueurs ont déjà lu l'ouvrage. « Je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas terminé. Ça sera fait d'ici la fin de la semaine », lui assure Mathieu Boccoté. « Quelqu'un m'a dit que c'était le meilleur des livres de Philippe de Villiers », rebondit Gabriel Cluzel. « Qui a dit ça ?» lui demande Christine Kelly. « Bah lui, déjà, répond à sa place Charlotte Dornella, provoquant l'hilarité générale sur le plateau. C'est vrai, à chaque fois qu'il sort un livre, c'est toujours le meilleur à l'écouter. Se justifie la chroniqueuse. J'espère qu'il nous suit ce soir, pour une fois. Tacle, à son tour, avec humour, Christine Kelly, qui conclut la séquence en ne tarissant pas d'éloges envers l'homme politique, le parc d'attractions qu'il a fondé et les différents ouvrages qu'il a écrits par le passé. Côté audience, ce lundi 21 octobre 2024, Face à l'info a rassemblé, en moyenne, 613 000 fidèles entre 19h et 20h05, soit 3,6% du public âgé de 4 ans et plus. CNews était alors leaders auprès des chaînes d'information en continu.